Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais comme vous le savez, vous entendez la musique, elle arrive tout doucement. C'est la musique pour Trillionaire Prono. Et ouais, on peut pas y échapper. Trillionaire Prono, vous ne pouvez pas y échapper. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je vous montrerai des captures d'écran de gens qui sont contents de Trillionaire et qui le remercient. Et c'est pour ça que je les affiche maintenant. Vous pouvez faire pause pour les regarder, pour les lire un par un. C'est des gens qui sont très satisfaits d'avoir connu Trillionaire Prono et de suivre ses pronostics. Donc tu l'as très bien compris, si toi aussi tu veux gagner de l'argent grâce à Trillionaire Prono, n'hésite pas à le rajouter sur Snapchat. Il répond à tout le monde et vous n'êtes pas obligé de jouer. Personne n'est obligé et encore moins les mineurs. Faites attention. Grâce à Trillionaire Prono, j'ai fait énormément de choses. J'ai pu faire des vidéos sponsorisées, partir en vacances, gagner de l'argent, me faire plaisir. Donc n'attendez plus, rajoutez-le. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais celle-ci est vraiment différente car on l'a tournée en Suisse. Malheureusement, nous sommes partis en Suisse, mais pas avec toute l'équipe. Je suis parti seulement avec Batar et Steven parce que Soso et Eddy travaillaient. Donc uniquement pour ça, s'il vous plaît, rajoutez-les sur Instagram. Leur Insta s'affiche ici. Ici, il y a celui de Soso et ici, celui de Eddy. N'hésitez pas à les rajouter parce que dans cette vidéo, malheureusement, vous ne le verrez pas. Dans cette vidéo, j'ai fait semblant de me noyer devant des gens dans un lac. Et j'ai laissé mes affaires à côté avec une bouée pour voir si les gens seront plus tentés à m'envoyer la bouée ou s'ils sont plus tentés à me voler mes affaires. Vous verrez que la plupart des comportements sont très bien, mais que certains laissent à désirer. On se retrouve à la fin pour une conclusion. En attendant, je vous souhaite bon visionnage et à tout à l'heure. Ciao. Bon les gars, avant que j'aille me changer et que je saute à l'eau, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va mettre une bouée et un sac pour voir si les gens sont plus tentés à m'envoyer la bouée pour me sauver la vie ou s'ils sont plus tentés à me prendre le sac sans m'aider et en me laissant me noyer ici. Donc je vais me changer. Je suis avec Batar et Steven. Là il y a Batar à la caméra. Steven il est là, viens frérot. Voilà. Donc on va faire ça. Vous restez ensemble, ok les gars. C'est bon. Si vous voyez que le mec il prend un sac, vous le suivez monsieur. Direct. Après ouais. Je te cache pas, je pense pas que les gens ils vont s'amuser à prendre un sac à vue au nez. Bon, on sait jamais quand même. On sait pas ce qu'il y a dedans, voilà, on a remis dedans, il y a que des serviettes. Mais bon, t'as le mec qui croit que c'est mon sac à dos, tu vois, enfin, on sait pas. Ouais, ouais. Voilà. Donc je vais faire semblant de me noyer, je vais voir la réaction des gens. On est en Suisse et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oh. Hey. Ça va? Oui. J'ai la peur de ma vie. Ça, tu veux pas boire un coup? Tu veux pas boire? De l'eau? L'eau? Oh, merci, c'est bon. Je crois que j'ai assez bu là, la tasse que j'ai pris. C'est sûr que ça va? C'est sûr? Merci beaucoup, merci. C'est bon, je peux te laisser, c'est bon? Sûr, hein? Certain, c'est bon. Allez. Merci beaucoup, monsieur. Ok man. Are you ok? Yes, yes. Thank you. You English? Yes, yes. Thank you very much. You're welcome, Rico. Thank you. Okay? Yes. Okay. Thank you. Bye. Goodbye. Goodbye. Allez, monsieur! Ok, c'est bon, monsieur. Oh putain, merci beaucoup. Oh, j'ai de la peur de ma vie. Faire attention. J'ai pas d'esprit. Ça va bien, c'est bon? Ouais, ça va. Calme. Ok, merci beaucoup. Bonne journée, faites attention. Vous avez sauté, il y avait une bouée, putain. J'ai même pas capté. J'ai bien très bien noyé, j'ai sauté. Merci beaucoup, hein, monsieur. Monsieur! Oui.
profiter. Les gars, c'est fini, quel sac? Moi, ça m'a bien entouré là. Je sais pas, voilà, c'est le cavalier derrière où il était trop rapide. Là, il avait pris de l'avance. Steven, il est en train de lui cavaler derrière. Puis on a pas pris le chemin. Ben, il n'est pas trouvé, après, il a pas continué, à chercher. Faut l'appeler ou? Faut appeler Steven. Faut appeler Steven. Mon téléphone, moi, il est dans le, sac. Pourquoi tu as ton téléphone dedans? Gros, je sais pas. J'ai dit, il y avait que des serviettes, j'ai dit, mais t'as rien dedans. Bon. Ben, on va aller là où tu as vu Steven, là où tu l'as laissé. Ouais. Et on va voir si on ne retrouve pas le mec, hein, frère. Ouais. Allez, gros, on prend la voiture. On va aller chercher Steven. Ouais, j'ai plus de batterie en plus. On va sortir, on va le récupérer. Bon, je crois que j'ai le t-shirt à Steven là-bas. Ouais, il court là. C'est lui, non? Ouais. Vas-y, monte derrière, frérot, monte. Monte, gars, il est où? Hein? Il est où le mec? Il est au fond à gauche, au fond là-bas, au fond. Tu as réussi à le voir? Ouais. Vas-y, passe-le à la caméra. Les gars, je vous appelle, vous répondez pas, Christian. Eh gros, le téléphone, il sonne dans le sac. Mais non. Eh ouais, venez, tu. Oh, je suis mort. Il est où, à gauche là? À gauche. Ouais, je l'ai vu tourner là. Il est à pied? Ouais, à pied. Il est pieds nus, hein, les gars, pieds nus. Il a une casquette noire, toute noire. NY. Au fond, là-bas, il est là-bas. On va poursuivre en Suisse, frère. Regarde la caméra, tu t'arrives? Regarde la caméra. Je. Et moi, si on le voit, moi, battant, on décolle direct. Oui, c'est bon. Direct, on va là. Ouais, je garde la caméra. T'as vu, plus les secondes de place, plus le pourcentage. Il a cavalé quand même, parce que là on est loin quand même. C'est lui qui fait voler les pneus en plus. C'est bon. C'est mon collègue, il m'a donné le sac. Voilà le plus gros menteur de l'année. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait venir avec nous, bâtard. Ouais. T'es nu, tu veux pas qu'on te ramène? Viens, on te ramène, c'est bon. On a récupéré le sac, qu'on s'en fout. Mais c'est pas moi qui voulais. C'est bon, j'habite pas loin en plus. C'est bon, on te ramène, oui. Sérieusement? C'est pas moi qui vous a volé. Pourquoi il voulait? Eh, parce que moi, tu m'as fait rire, tu es pieds nu et tout là. Je suis bien. Et du coup, il est où ton collègue? Je sais pas où il est. Ah, Steven, qu'est-ce qu'on lui fait à lui? Ah, je vais lui arracher la tête, il m'a pris pour un con. Il parle plus. Il parle plus, c'est fatigué. Bah alors, tu habites où, mon ami? J'habite pas. Dis-moi, parce que moi je vais, je roule là, je rentre chez moi, je rentre en Italie sinon. Non, je suis d'ici, moi. D'où? De là, là. Tu veux pas faire un séjour en Italie? Non. En tout, ça te dérange pas, rester avec nous, fatigué? Non, frérot, au contraire. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Tu restes avec nous ou pas? Non, je vais rentrer chez moi, mais laisse-moi me déposer chez moi, s'il te plaît. Mais je vais pas te déposer chez toi. Laisse-moi me déposer chez moi, s'il te plaît. Parce que... Ils parlent tous comme ça, les Suisses? Parce que je parle pas trop bien français, tu vois. J'ai un accent de quelque part, je sais pas où. Attends, je m'entape. Je veux rentrer chez moi. Ah, mais frère, lâche-moi, j'ai pas compris. Je veux rentrer chez moi. Si tu veux... Mais t'allais avec nous, tu me ferais payer, ou tu payes rien du tout. Je m'en fous, je veux rentrer chez moi. Je m'en bats, tu restes avec nous, ça y est. T'as voulu partir, t'as voulu. Tu t'es taillé comme une. Hein? T'es parti comme une. Non, c'est mon collègue. Mais pourquoi vous me laissez pas chez moi? Parce que, en fait, je t'explique. Soit tu viens avec nous à l'hôtel en Italie, à Milan. Tout frais payé, tu tout frais payé. Soit on t'amène à la police et on. Non, pas la police, s'il te plaît. S'il te plaît, pas la police. Non, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il est vraiment. Bon, tu veux pas venir avec nous à la maison? Non. En Italie? Non. Je veux rentrer chez moi, je t'ai dit. Steven, on l'amène au commissariat ou pas? À la vérité, ouais, il mérite que ça. Hein. Petit, tu m'as fait courir. Tu vas venir avec nous au commissariat alors? Non. Ah si? Pourquoi au commissariat? Arrête. Fais-moi sortir! Fais-moi sortir! Tu vas venir avec nous en Italie? Non. Mais tu quittes, toi. Laisse-moi. Laissez-moi. Je veux pas venir l'amener au commissariat? Ah Steven, tu veux pas me l'amener au commissariat, frère, il me fait pilérer le mec. C'est fatigué, hein. On va te garder avec toi en Italie. Il va rester avec nous en Italie, il va faire le ménage, il va se démerder, il va tout faire. En vrai? En vrai de vrai, il fera pas le manger parce que attention ce qu'il fait dedans. Tu sais faire le manger? Non. Et en plus, il dit non. Tu sais faire le ménage au moins? Non. Tu sais que voler, toi. Mais c'est pas moi, c'est mon collègue. Steven, écoute-moi. Arrête de filmer.
on le garde avec nous et on va voir. Ouais, ouais. On va pas l'amener au commissariat, bon. Ah, c'est un numéro, c'est un acteur, frère. Au secours! Bon, bâtard, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté 6 bouées pour notre ami le voleur fou. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les gonfler? On va les gonfler et on va les enfiler sur le corps. En guise de punition? En guise de punition. Là, il y a Steven, il est resté en bas avec lui. Aventure. Voilà, il est resté avec lui en bas. Et du coup, nous, on a acheté les bouées en 2-2. Il va galérer, je pense. Allez, let's go. Il y a des brassards aussi. Ah oui, on a acheté des brassards aussi, c'est vrai. Allez, let's go. Donc les amis, voilà, on se retrouve à peu près 2 heures après. Je vous jure. C'est quelque chose. C'est normal. Si vous voyez la vidéo, on peut même pas lui en vouloir méchamment. Dommage qu'il est fouté, les gars, parce que nous on le vend direct. C'est quelque chose, je vous jure, c'est quelque chose. Bref, donc on a eu la merveilleuse idée, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'acheter les bourrées qui sont là et on va te les mettre. C'est soit ça, soit on voit comme ça. Hein. J'ai pas envie de te faire de problème, mais tu as l'air gentil en plus. T'es juste bête. Parce qu'en fait, vous m'avez trouvé gentil, c'est pour ça. Vous m'avez trouvé gentil. Genre, on t'a trouvé, j'étais gentil. Genre, on te trouve, tu es méchant. Ouais, les amis, de toute façon, on s'est mis d'accord avec lui. S'il est là et qu'il part pas en courant, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il sait très bien qu'on va aller au commissariat avec ses images. J'ai mon visage. Voilà, j'ai mon visage. Bravo. Ça y est, même, bâtard. Ça y est, avec lui. Oh! Ça me ça, non, ça m'aurait pas fait. Ça me manque, c'est. Moi aussi, c'est vrai, ça m'aurait pas fait. Ce qu'il a fait. C'est vrai, ça m'aurait pas fait. Voilà comme il est, voilà comme tu es. Mais lui, il fait fou de ça, ça me manque. Mais lui, j'ai dit de plus parler. Parce que s'il parle, je sais pas ce qu'il va t'en mettre. J'ai mon visage là. Même lui, là, si tu m'as vu, c'est tellement bizarre. Oui, oui. J'ai pas montré là, en tout cas. J'ai jamais vu ça de même. Allez, c'est parti. On lui met les bouées une par une. Avance rapide, monteur, s'il te plaît. C'est le but, gros. C'est que tu les bras coincés. Donc regardez, là en fait, c'est malheureux pour lui. Le seul moyen de s'enlever les bouées, c'est de se mettre à l'envers. Mais en fait, les brassards retiennent les bouées. C'est pour cela que il ne peut pas s'échapper. Appelle la police. Ralentis s'il vous plaît, replay. Mon toto. Attends, qu'est-ce que ça? Allez, va transpirer ailleurs, tu as là, tu as de quoi te baigner. Tout à l'heure, tu m'as pas lancé. Tu m'as pas lancé la bouée, là maintenant tu en as 6. C'est un problème ça. Allez toi. De toute façon là tu sais pas comment tu vas faire pour te les enlever. À part te mettre à l'envers, je vois pas le. Allez, ciao. Allez, ciao. Viens là, Mengaoui. Mengaoui, viens ici. Oh, Mengaoui. Oh, putain. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu l'apercevoir, on est tombé vraiment sur un spécimen. Vraiment, c'était quelqu'un... pas méchant, hein, mais voilà, il a pas trop de cervelle, du coup, il a plus été tenté à voler qu'à m'aider, mais bon, je lui en veux pas, hein. Au final, on a vraiment bien rigolé et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Alors, je le répète dans chaque vidéo, mais beaucoup me posent la question, c'est pour ça que je suis obligé de le répéter à chaque fois, mais si vous aimez notre marque de vêtements et que vous voulez la porter, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Il y a absolument de tout, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, vous pouvez payer par carte bleue, par PayPal, même par chèque, donc allez-y et les envois sont 100% sécurisés. En ce qui me concerne, je vais vous laisser, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous serez là au rendez-vous mercredi prochain à 18h
pour voir la nouvelle expérience sociale qu'on va sortir parce que ça va être du lourd. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous voyez quelqu'un en détresse, à aller aider la personne si vous vous sentez capable. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à avertir des gens à côté de vous pour qu'ils puissent venir en aide à la personne qui est en train de se noyer. Et quand vous allez à la plage, soyez vigilants à vos enfants et regardez qu'il y ait toujours une bouée de sauvetage au cas où, ou un maître nageur pas très loin. Je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kamoff, à bientôt. Ciao.